Bango, c'est super. Bonsoir, c'est gentil d'être passé jusqu'à nous. Comment allez-vous d'abord? Tant que je me souviens, ça va très bien. Le cœur est là, les yeux sont là, le souffle est là, et puis vous êtes là. Ah, c'est gentil. Est-ce que j'ai l'impression, quand on rencontre des musiciens, on les trouve toujours de bonne humeur? Je vous ai tout à l'heure occupé à chanter, à essayer. Est-ce que c'est vraiment une compagne, cette musique? Bien, la musique, on a une histoire d'amour avec la musique depuis qu'on est conscient. Et puis, une fois qu'on s'en rend compte, ben, on vit toute sa vie avec. Alors finalement, on n'y pense plus. On essaye des fois d'être musicien, des fois d'être un homme. Des fois, on ne sait pas qui on est qui. Mais c'est la vie. C'est une belle vie, ça, la musique, tourner autour du monde. C'est très difficile d'y arriver, mais quand on a la chance de pouvoir le faire, je crois que c'est un des métiers les plus formidables parce qu'il y a une certaine liberté. Mais comme vous savez vous-même, la liberté coûte très cher. C'est exact. Alors vous êtes toujours à la recherche, je crois, de sonorités nouvelles, de musique à interpréter selon votre tempérament, c'est ça? C'est ça, je suis un homme de fusion, vous savez, je suis un homme à l'encontre de plusieurs cultures. Je suis au départ camerounais, je suis arrivé en Europe, j'avais 15 ans, j'ai connu plusieurs cultures. J'ai même commencé à travailler comme professionnel ici en Belgique, c'est vous dire que, entre autres, j'ai une bonne histoire d'amour avec la Belgique. Ceci étant, j'ai rencontré énormément de musiciens. Je pense que avant de se faire sa propre identité, il faut avoir vécu dans l'identité des autres. Et on peut faire cette fusion-là en musique, en liant à la fois l'Afrique et l'Amérique? Bien oui, sans oublier l'Europe et les autres continents, je crois que la fusion est possible parce que le dos est partout le même et en fait, on disait généralement qu'il n'y a qu'une musique, la bonne, et tous les musiciens essayent, n'est-ce pas, d'aller vers le bon côté de la musique et aussi vers surtout le dialogue avec les musiciens parce que je crois que c'est ça qui est enrichissant. Vous voyagez énormément, oui, pareil, vous êtes toujours à gauche et à droite à travers cette planète. Qu'est-ce qui vous pousse ainsi à courir le monde?
Bien, j'ai essayé de demander au bon Dieu, il ne m'a pas encore donné la réponse. Toujours est-il qu'il m'a donné l'énergie, parce qu'il y a une question de santé. Et bon, je touche du bois. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de grands chocs, point de vue santé. Mais c'est la curiosité qui me pousse, voyez-vous. C'est la rencontre des autres. Et comme le siècle le permet, que les transports sont faciles et que les communications sont faciles, il nous est agréable de pouvoir aller enregistrer à Kingston ou de pouvoir aller en Amérique latine ou de venir faire des concerts en Belgique comme c'est le cas actuellement. Je crois que c'est la vie du musicien du saltimbanque du XXe siècle. Vous avez eu l'occasion de rencontrer d'autres grands musiciens du jazz ou de la musique africaine? Oui, j'ai commencé ma musique. D'abord, je jouais dans un établissement qui s'appelait Les Anges Noirs à l'époque, il y a 20 ans ici. J'ai rencontré à cette époque-là beaucoup de musiciens congolais qui étaient venus au moment de la table ronde, tels que le regretté Kabasele qui vient de disparaître. C'est lui qui m'a donné ma première chance. Je suis allé au Zaïre. Bien, ensuite, je suis revenu vers l'Europe et j'ai accompagné beaucoup d'idoles françaises comme Eddie Mitchell, comme Nino Ferrer, comme à cette époque-là, il y avait Gaston aussi, je crois. Et j'ai eu ma chance en faisant un morceau qui s'appelle Sol Makossa, qui m'a fait connaître de par le monde. Et par la suite, je suis allé en Amérique, où alors là, évidemment, j'ai rencontré énormément de grands musiciens. En citer un déplairait aux autres, mais j'en ai rencontré beaucoup. Alors, vous êtes actuellement en Belgique pour une tournée de concert. Ce soir, vous jouez à Louvain ou ça? Ce soir, je joue à Louvain. Alors là, il faudrait que je sais. Je vais regarder dans l'agenda tout à l'heure. Ok, ça va. Et alors, le 3 mars, c'est mercredi, ou les deux? Le 2, je ne sais plus, c'est le 2 mars. Hein. Il faudrait aussi regarder dans l'agenda tous les deux. Bon, oui, ça va. Alors, vous êtes au 140. Voilà. C'est ça. Alors, j'aurai le plaisir de rejouer en Belgique, tout au moins à Bruxelles. Au théâtre 140, parce que la dernière fois, j'ai joué à la grande place de la Monnaie, là, vous savez, il y avait une. Il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Et entre-temps, j'ai fait d'autres villes de Belgique, mais je ne suis pas retourné à Bruxelles. Bien. Alors, ce au 140, c'est un concert unique, hein? Oui. Bien. On peut se quitter en musique, Manu Dibango, en vous disant un grand merci. Toute petite chose, là, avec ce superbe instrument. Merci d'être passé, c'est gentil. Merci.